été, diront certains. Même parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. Le 340 1900 sur les îles, avec des slides, des lampes SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Outlaw 600. 3, 4. Bonjour, bienvenue à Parlons Motoneige. Salutations à tous les éditeurs de TVME, région de Valcourt, TVDL, région de la Baie, CCAP TV, Lac-Beauport, Câble Action en Estrie, Mégantic et La Beauce, Mascatel, Saint-Hyacinthe, Drummondville et à tous nos auditeurs qui nous écoutent via YouTube. J'espère que vous passez une bonne saison de motoneige malgré les difficultés de Dame Nature. On va en parler en long et en large un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, pour la condition des sentiers, pour tout ce qui est la condition des sentiers dans le coin de Canton de l'Est, Montérégie, est très, 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 très large au Québec. Là, je m'aventurerais même dans les basses Laurentides, certaines régions aussi, même probablement dans la vieille capitale. Les conditions sont de fermer à peut-être passable. Je vous demande de vérifier. Il y a certaines régions qui s'en sont sorties pas trop mal avec le dernier doutant de la semaine dernière. Écoutez, ça a été très, très, très dur. Là, lundi, la température qu'on a fait, on est presque revenu à la case départ ici. On est juste pour dire qu'à certains endroits dans le bois, il y a possiblement resté un petit fond de glace, mais c'est minime. Donc, ça prendrait une bonne tempête de neige pour repartir tout ça. On l'aura-tu? On l'aura pas? On va voir tantôt. On va avoir on va parler avec un météorologue de Météo Média. Je pense qu'il va falloir se faire... encourager un peu, j'espère que ce sera ça qu'on aura, on verra dans quelques instants. Au sujet des activités à venir, cette semaine, on devait avoir une émission qu'on parlait dans le cadre de Festival en neige, de la journée mordue d'hiver organisée par la musée Joseph Armand Bombardier. Étant donné la situation, les organisateurs ont dû canceller cette journée-là qui était prévue pour samedi prochain. Malheureusement, avec grande déception, mais on n'a pas de neige suffisante pour circuler, même avec les motoneiges antiques. Il y avait une parade de prévu, il y avait des expositions de motoneige, il y avait des courses d'accélération de prévu, il y avait des glissades pour les enfants, il y avait une panoplie de belles activités familiales et axées aussi sur la motoneige. Malheureusement, c'est remis à l'an prochain. Le niveau des inscriptions allait très bien, on avait un niveau record d'inscription. Écoutez, chaque personne qui s'est inscrite va être contactée par les organisateurs. On remet ça l'an prochain. La programmation, on en saura que mieux. Il va nous manquer, il nous manque vraiment cette édition de cette année-là. C'est un crève-cœur, mais bon, Dame Nature en a voulu autrement. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler peut-être avec une Dame Nature, mais en tout cas, une Dame Météo. On va essayer de savoir un peu ce que nous réserve la fin de cet hiver 2015-2016. En espérant que El Niño soit un petit peu moins fort vers la fin. Fait qu'on va voir ça. Après ça, on vous parlera un petit peu des activités à venir, ce qui nous reste dans la saison. Évidemment, le Grand Prix de Valcourt, on va souligner ça. On aura une émission spéciale sur le Grand Prix la semaine prochaine. Parce que pour le moment, même dans les conditions actuelles, la tenue du Grand Prix n'est pas du tout compromise. Le Grand Prix ont des canons en neige, ils ont fait beaucoup de glace. Il y a les chances que le Grand Prix soit cassolé sont... Je ne peux pas dire nul parce qu'on ne sait jamais, mais dans les conditions actuelles, il n'y a aucune remise en question du Grand Prix, d'aucune façon. Vous allez voir la semaine prochaine, on va aller tourner directement sur le site. Vous allez voir que sur le site, on va sûrement être encore en hiver. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc, on passe avec mon invité de Météo Média qu'on rejoint via téléphone.
On est en compagnie via la tricherie du téléphone avec Marie-Josée Grégoire de Météo Média. Bonjour, madame. Bonjour. Vous savez peut-être que les motoneigistes sont un peu déçus et même beaucoup déçus de l'hiver qu'on a. C'est un hiver qu'on nomme l'hiver El Nino. Actuellement, plusieurs activités sont cancellées ici à Valcourt et probablement dans plusieurs régions. Maintenant, la question qu'on a, est-ce que c'en est fini de l'hiver ou est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui s'en viennent pour nous? C'est sûr que oui, en effet, l'hiver n'a pas été un hiver typique québécois dans le sens que nous n'avons pas eu de vagues de froid, des journées, plusieurs journées avec du moins 20 degrés. Ça, on n'a pas vraiment connu ça au Québec cette année. Et oui, on peut mettre le blâme sur le phénomène El Niño, qui est très ponctuel. Hein. On parle vraiment juste de cette année. Est-ce que ça va durer encore plusieurs années? On parle de changement climatique. Dans ce cas-ci, c'est vraiment le El Niño qui a été très, très fort. Je rappelle aux gens ce que c'est El Niño. El Niño, c'est les températures anormalement chaudes dans le Pacifique central qui font que indirectement nous avons une modification des vents en altitude qui nous amène un petit peu plus d'air chaud qu'à la normale. Et donc, on a eu un mois de janvier qui a été exceptionnel, une douceur assez prononcée, ce qui a fait en sorte que nos accumulations de neige n'ont pas été là. On était en déficit de neige, on a eu des redoux qui ont fait fondre la neige. Et ce qui s'en vient, si on regarde à court terme présentement, oui, mercredi, le 3 février, on attend des précipitations de neige, mais également de pluie. On a des 8-9 degrés attendus. Est-ce qu'on va avoir ces températures-là? C'est ce qu'on va avoir cette journée-là. Ce redout-là va encore faire plus fond de la neige, et étant donné qu'on attend des précipitations de pluie, ben là, la neige qui reste va vraiment relativement fondre une bonne partie. Et par la suite, alentour du 10-15 février, les températures sont... là, on va dire heureusement, sous les normales. Donc, on s'attend à avoir moins 10, moins 15 dans votre secteur, mais partout au Québec, on pourrait même avoir du moins 20 pour cette période-là. Mais par la suite, pour la fin février, les températures vont retourner en haut des normales. Et on s'attend à ce que le mois de février, il pourrait peut-être y avoir un petit peu plus de précipitations, surtout pour les secteurs de l'Estrie. Et dans le cas d'un phénomène El Niño fort, cette année, c'est ce qu'on a. On a davantage de systèmes côtiers qui remontent la côte. Et les systèmes côtiers, ben, ils vont affecter davantage les secteurs de l'Estrie. Donc, on pourrait peut-être, on va surveiller ces types de systèmes-là pour le mois de février. Et comme on l'avait prévu en novembre passé, en novembre 2015, on s'attendait à ce que le mois de mars soit en haut des normales. Et là, on s'attend vraiment à ce que le mois de mars débuterait avec la douceur. Donc, des températures en haut des normales de saison. Et ce qu'on dit dans notre jargon, si quand le 5 degrés est accroché, donc dans les températures maximum à chaque jour sont d'au moins 5 degrés, avec une neige au sol de 0 cm, donc il n'y a plus de neige au sol, on parle d'un printemps hâtif. Est-ce que ça s'enligne comme ça? Bien, les cartes ne sont pas jouées encore, mais on pourrait dire que ça pourrait s'enligner vers un printemps hâtif. Un printemps hâtif. Donc, un hiver court, un printemps hâtif. Vous m'avez laissé un peu d'espoir en disant qu'on pouvait avoir des températures plus froides pour la dernière moitié de février avec possiblement de la neige, mais on peut pas, si je conclue un peu sur ce que vous avez dit, dans le sens, on peut pas s'attendre à avoir une saison qui va s'étirer très longtemps au mois de mars comme l'an dernier, mettons. Pas du tout. Probablement pas, étant donné que oui, on peut avoir de la neige, mais est-ce que notre problème cette année, là, c'est que la neige ne tient pas? Oui, on a de la neige par moment, mais comme les températures retournent en haut de 0 degré ou proche du point de congélation, bien, la neige fond. Donc, on a de la difficulté à atteindre un bon couvert de neige. C'est très difficile. Et la particularité, étant donné qu'on n'a pas une grande quantité de neige au sol, on a des parties de sol à découvert, on n'a pas l'effet albédo. Donc, l'effet albédo, c'est quand on a un grand couvert de neige, les rayons du soleil reflètent sur la neige et retournent dans l'atmosphère. Donc, on n'accumule pas de chaleur. Dans ce cas-ci, cette année, c'est tout à fait contraire parce qu'on n'a pas une grande quantité de neige. On accumule de la chaleur, on accumule de la douceur, ce qui fait en sorte que la neige va fondre plus rapidement. Et c'est notre cas d'hiver 2015-2016. Oui, les motoneigistes sont bien au fait d'un phénomène comme ça. Même dans un hiver à peu près normal, ils arrivent sur le dessus, disons, des butons, des choses comme ça, que
en début février, par exemple, il y a un peu de découvert, genre 8 pouces carrés de découvert. Il fait juste un beau soleil de février, puis le lendemain, c'est deux fois plus grand, justement, par l'accumulation de la chaleur qui est absorbée par le sol, même si, des fois, la température extérieure n'est pas si chaude que ça. Le sol, à un moment donné, se réchauffe rapidement. Donc, cette année, ça risque d'être amplifié parce qu'il n'y aura pas beaucoup de neige. Exactement. Par contre, on parle de El Niño. On sait aussi qu'il y a son contraire qu'on appelle El Niña. Est-ce que, soit statistiquement, ou vous savez à l'avance, là, je vais essayer de voir où vous pouvez prédire, bien, si les phénomènes El Niño, est-ce qu'on sait qu'on sera en phénomène El Niño encore l'an prochain ou automatiquement, après un El Niño, c'est un El Niña, donc on ne devrait pas l'avoir? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ou juste peut-être des statistiques? En fait, ce qu'on peut prévoir à ce moment-ci, c'est que on s'attend à ce que El Niño, donc dans notre cas, c'est un El Niño fort, bien, perde en intensité ce printemps, cet été, pour devenir tranquillement, pas vite, neutre. C'est pas un phénomène qui change du jour au lendemain. On parle vraiment en termes de mois. Donc, ça prend quelques mois pour faire virer la situation. Et pour passer d'un El Niño à la Niña, il faut passer par la neutralité. Donc, il y a une période où on va parler d'une situation neutre et par la suite, on va s'en aller vers la Niña. Et ça, on parle de plusieurs mois. Et donc, comme là, on prévoit à ce que El Niño perde intensité ce printemps, cet été, et par la suite, on va aller dans le neutre. C'est ce qu'on a présentement. Présentement, on n'est pas dans le neutre. On est toujours dans El Niño, sauf qu'il va devenir neutre, genre à l'automne, c'est ça? Oui, exact, c'est ça. Si on est en El Niño fort, on tend à ce que ça perde intensité printemps, cet été. Par la suite, on s'en va au neutre, tranquillement, pas vite. Donc, on pourrait-tu espérer un La Niña pour l'hiver prochain? Je pourrais pas garantir, étant donné que c'est quand même assez proche. Là, ça va prendre quand même un petit peu plus de temps avant qu'on s'en aille vers La Niña. Mais au moins, ça devrait être moins intense comme chaleur que cette année. Je peux pas garantir, mais c'est quand même assez exceptionnel. Si on a ça deux années de suite, ça va être très, 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 très particulier. C'est très particulier d'avoir des El Niño deux années de suite. Oui, exact. Bon, ben c'est un peu encourageant. On va essayer de profiter de température froide et de la neige. La température froide que vous nous prévoyez pour le 10 et 15 janvier, ici à Valcourt, on va en être très heureux parce qu'on a le Grand Prix Skidoo de Valcourt, qui est probablement la plus grosse compétition de motoneige en Amérique du Nord. Il passe près de 30 000 personnes. Et le site du Grand Prix, ils font leur neige artificielle. La glace, elle mesurait plus de 12 pouces encore en début de semaine ou à fin de la semaine. Donc, on est probablement correct, on est assurément correct pour la tenue du Grand Prix. Donc, ça, pour nous aussi, c'est intéressant. On pourra quand même participer, même s'il n'y a pas beaucoup de neige au sol autour, sur le site, pour les compétitions, c'est sécurisé. Vous parlez de températures plus froides, donc c'est une bonne nouvelle. Pour les motoneigistes de la région, bien, on va espérer que la neige qui va tomber, on puisse en profiter encore quelques semaines, puis que les doutants nous arrivent pas trop rapidement. Oui, bien, j'invite les gens à aller sur meteomedia.com pour surveiller la situation météo, à savoir quand on aura le petit temps froid entre le 10 et le 15. Ça peut être peut-être un peu avant, peut-être un peu après. C'est vraiment une période dans cette période-là, mais c'est ça, j'invite les gens à aller sur meteomedia.com pour surveiller ça. Puis en terminant, on est aujourd'hui, au moment d'enregistrer l'émission, on est le 2 février, la journée de la marmotte. Est-ce qu'on en a des nouvelles? Oui. En fait, c'est pas toutes les marmottes qui sont d'accord. OK. Il y en a qui disent que... Là, j'ai pas les détails exacts, là. Il y en a une qui dit oui, le printemps va s'étirer et une autre, le printemps va pas s'étirer encore 6 semaines. Nous, à Météo-Média, on a notre météorologue présentateur, Régent Ouimet, qui a confronté la marmotte. OK. Et on a prévu un printemps hâtif, donc l'hiver n'allait pas s'éterniser encore 6 semaines, mais peut-être plus un 4 semaines. Donc, je n'ai pas la marmotte. Quelle marmotte a dit que l'hiver allait s'éterniser encore 6 semaines, par contre? Okay. Bon, sur cette anecdote un petit peu humoristique, parce que c'est pas nécessairement des prévisions très, très scientifiques, notre ami la marmotte,
Je vous remercie. Ben là, dans ce cas-ci, on parle de prix. Elle prédit. Elle prédit, oui, c'est ça. OK, bien, je vous remercie beaucoup, puis on va souhaiter une belle fin d'hiver. Merci de votre disponibilité, puis longue vie à Météo Média. Après cette prévision plus ou moins optimiste de Météo Média, je pense que je vous invite tout le monde à étendre votre chenille sur la corde à linge en faisant des prières que les prévisions les plus froides se réalisent avec la neige. On va tous le souhaiter. On va regarder maintenant une petite capsule sécurité qui est une gracieuseté de la Fédération des clubs de motoneige du Québec. Cette semaine, on vous parle de garder la droite. Peut-être pour les non-motoneigistes, on se dit « oui, c'est évident de garder la droite, on garde la droite en automobile ». Mais évidemment, dans les autos, on a des lignes jaunes, on a tout ce qu'il faut pour garder notre droite. Dans un sentier de motoneige où que la largeur est des fois un petit peu variable, où on a tendance à droite souvent, on a du boisé, donc on essaie un petit peu de se tasser, de pas trop près des arbres, bien, je pense qu'il y a une tendance à tout le monde a un petit peu envie de rouler au centre. Je pense que la capsule de sécurité nous fait prendre conscience de ça, qu'on ne peut pas tout être au centre en même temps. Donc, on va regarder cette capsule-là de la Fédération pour notre sécurité à tous. On vous revient dans quelques instants. Quand on circule à motoneige, il y a plusieurs règles à respecter. Mais s'il y en avait une, Michael, qu'il faut absolument être vigilant, c'est... Garder la droite dans le sentier. Moi, j'imagine que c'est pas toujours évident de savoir quelle est la zone dans laquelle il faut circuler. Exactement. Étant donné que, comparé à une route, on n'a pas de ligne jaune qui nous sépare la gauche de la droite, c'est important de partager le sentier. Et ça, bon, j'imagine qu'il y a des endroits qui sont plus à risque que d'autres et qu'il faut être vraiment vigilant sur la droite? Oui, absolument. Je donne un exemple. Dans une courbe, si on est à la droite du sentier, si vous rencontrez un autre motoneigiste qui s'en vient en sens inverse, au moins vous avez le temps de réagir. Ça protège aussi le sentier. Si on a tendance à rouler plus dans le centre, il se fait comme une crevasse. Donc, ça use le sentier égal. Et on voit souvent des motoneigistes inexpérimentés qui, eux, ont tendance à circuler plus au centre. Ce serait quoi les astuces pour faire en sorte qu'ils puissent bien garder leur droite? Ce qu'on pourrait peut-être suggérer, c'est les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est soit aller avec quelqu'un, un motoneigiste plus expérimenté, ou bien il y a des guides aussi qui peuvent être disponibles. Et quand arrive le temps de dépasser en motoneige, c'est sûr qu'on quitte cette zone sécuritaire de la droite vers la gauche. Quelle serait la meilleure façon, justement, d'entamer un dépassement? Si vous avez à faire un dépassement, ce que je vous suggère, c'est faites-le quand vous êtes en ligne droite et vous avez amplement d'espace pour le faire. Donc, vous faites votre dépassement et donnez-vous assez de temps pour rentrer à la droite sans rentrer en collision avec le motoneigiste que vous venez de dépasser. Et j'imagine qu'il y en a des fois qui aimeraient beaucoup pouvoir justement essayer de dépasser par la droite hors sentier. Et ça, il y a des risques. Oui, absolument. On demande toujours de rester dans le sentier pour une raison. C'est qu'on ne sait pas sur le côté du sentier, quand on sort des balises, s'il y a une souche, une roche, on ne le sait pas. C'est un tapis blanc qu'on ne voit pas à travers. Si le sentier est balisé par un club qui entretient des sentiers, restez dans les balises. Puis si c'est pas balisé, c'est parce que le club a jugé que c'était pas sécuritaire à ce moment-là. Puis rendu dans le sentier, soyez prudent, gardez votre droite, respectez les limites de vitesse, la signalisation. Il n'y a pas de raison que ça ne se termine pas par une belle journée. Donc c'est simple, gardez votre droite et circulez en toute sécurité. OK, j'espère que ça a été instructif pour tout le monde. Pour faire un petit retour sur les activités passées, fin de semaine dernière, c'était notre randonnée annuelle. On s'est rendu à Sainte-Marie-en-Beauce. On a eu une randonnée très agréable. La quantité de neige dans les sentiers était minimale, mais tout a fonctionné. Peut-être la portion qu'on a eu un petit peu plus, je ne dirais pas de difficulté, mais qui était le moins agréable quand on est samedi, on est passé par Warwick et le couvert de neige était très, très, très mince près du village de Warwick et même Plessisville. Les bouts sur les pistes slabes étaient un petit peu rocheux, mais bon, ça l'a passé. On n'a pas eu de difficultés, on n'a pas eu à s'arrêter.
Par contre, quand on est revenu dimanche, on a changé un petit peu notre trajet. On est resté plus du côté de Fernmine, Saint-Fortuna et ce coin-là. Et là, vraiment, le couvert de neige était mieux. La température était plus douce. On est revenu à 5-6 degrés, mais bon, on est revenu à bon port. Tout le monde très heureux, belle randonnée. On a quand même passé sur la nouvelle passerelle à Sainte-Marie, qui est un projet de plus d'un million de dollars, qui est vraiment impressionnant comme passerelle. On va, vous allez voir une photo en ce moment. Je pense que c'est toute une réalisation qui a été faite par les motoneigistes en collaboration, évidemment, avec les quadistes et cyclistes de cette région-là et les différents paliers de gouvernement. Mais je vous dis, on n'aurait pas pu aller coucher à Sainte-Marie comme on a fait parce que la rivière en dessous, qui était la rivière Chaudière, n'était pas gelée. On voyait l'eau couler librement, ce qui n'était pas le cas dans les hivers. Moi, j'ai déjà passé sur la rivière Chaudière en plein hiver, sans aucun problème. Le sentier était sur la rivière, c'était pas un problème. Mais un hiver comme cette année, je pense qu'on peut dire merci à une passerelle de ce genre-là. Et il s'en construit quelques-unes au Québec d'ici les prochaines années. Je pense qu'on parle peut-être de réchauffement climatique. Donc, il va falloir vraiment éviter les grosses rivières, parce que les grosses rivières, là, cette année, c'est pas gelé. Peut-être que l'an prochain, ça gèlera, mais c'est pas toujours garanti. Dans les activités à venir, mercredi prochain, on a cédulé une randonnée en soirée dans le cadre Festival en neige. Pour le moment, l'activité est maintenue. C'est sûr que si la condition ne change pas, on sera annulé. Vérifiez notre site Internet. Via notre site Internet, on va vous tenir au courant de la destination, voir où on ira. On n'a pas tout à fait défini la destination. On va ajuster selon les précipitations de neige. S'il y en a un peu, on va prendre la direction qui sera la plus intéressante pour faire cette activité-là. Mais pour le moment, elle est maintenue. Mais vérifiez notre site Internet et notre page Facebook pour cette activité-là. En fin de semaine qui s'en vient, on devait aussi avoir la fin de semaine porte ouverte. La fin de semaine porte ouverte est maintenue par la Fédération. Je peux vous dire qu'elle est maintenue ici, mais les sentiers sont fermés. Donc, il n'y a pas vraiment de porte ouverte dans le secteur ici. J'ai très peu d'espoir qu'on rouvre les sentiers pour le week-end. Donc, et cette activité-là ne peut pas être reportée parce que c'est une activité dans un cadre provincial et certaines régions plus au nord du fleuve, au Saguenay, probablement le nord des Laurentides, certaines régions, le secteur de Charlevoix, ça fonctionne. En Gaspésie, ça fonctionne encore. Donc, c'est pas à cause qu'une... C'est sûr qu'il y a une grande portion au sud qui ne fonctionne pas, mais quand on a une activité provinciale, il faudrait vraiment que toute la province soit en manque de neige, mais c'est pas le cas. Il manque de neige. Tout le monde est en déficit de neige, mais il y a des secteurs qui ont suffisamment de neige pour que ça fonctionne. Donc, l'activité est maintenue, mais malheureusement, on ne pourra pas la faire dans notre secteur. Ici, la prochaine activité à venir, évidemment, c'est le Grand Prix. J'en ai parlé tantôt. On va se laisser avec des images pour se rafraîchir un peu du Grand Prix de l'an dernier. Mais la semaine prochaine, l'émission est consacrée au Grand Prix. On sera directement sur le site. On va voir les nouveautés. Il y a des nouveautés cette année. On va en parler avec M. Donald Lemay. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine à Parlons motoneige. Si vous faites le motoneige en fin de semaine, soyez prudents. À la semaine prochaine.
Puis, vous aimez ça? Ben oui. C'est un beau spectacle? Ben oui, en masse, on a hâte de voir les finales. Vous êtes de quelle région? Sherbrooke. Sherbrooke? Compton. Bon, ben, bienvenue à Valco, puis amusez-vous bien. Thank you. Bonjour. Bonjour. Ton premier Grand Prix de Valco? Non. Non? Un habitué du Grand Prix? Ouais. Puis, t'as un bon week-end à date? Oui. Tu viens de quelle région? Valleyfield. De Valleyfield? Ouais. Puis, t'es venu nous voir à Valco? Ouais. Ben, c'est fantastique, puis t'es heureux de ce que tu vois? Ouais. Bon, ben, bonne fin de week-end. Merci, bien. Bonjour, monsieur, ça va bien? Oh, ben, ça va bien, oui, ben, c'est sûr, on essaye d'être à la hauteur de la situation. Vous, ça va bien aller pour voir les courses de... Ah oh, oui, c'est... on voit très, très loin, là. C'est fantastique. Oh, fantastique. Tout ce qui se passe, c'est impressionnant, hein? Bonjour, madame. C'est votre premier Grand Prix de Valco? Oui. Puis, vous aimez ça? Oui. Vous venez de quelle région? La Beauce. Bon, ben, bienvenue à Valco. Amusez-vous bien. Oui. Vous aimez ça, le Grand Prix de Valco, les enfants? Oui! Bon, c'est super. Vous regardez les courses ou vous vous amusez dans les jeux? On s'amuse dans les jeux. Ah, c'est bien. Fait que, beau Grand Prix à date, super, comme ça. Super. Température est avec nous autres. Parfait aujourd'hui. Bon, ben merci beaucoup, puis amusez-vous bien. À la prochaine. À la prochaine. Premier Grand Prix de Valco? Non, moi, je suis un gars d'ici, mais j'ai à chaque année. J'ai à chaque année? Puis, t'as toujours du plaisir? Toujours. Le spectacle est bon cette année? Oui, le freestyle, il y a eu des belles choses là, qui ont été faites. Là. C'était, c'était bien? Fun. Oui. Bon, ben c'est super, je pense que fait le tour des gens, là, puis il n'y a pas personne qui m'a dit qu'il n'était pas content. Fait que non, c'est super. C'est une belle ambiance. Puis la température est parfaite aujourd'hui. C'est incroyable. Là. Ouais. Super. Parfait, bonne journée. Hey, bonjour! Ça va bien? Ben oui, vous aussi? Oui, toujours au Grand Prix de Valco. Ben oui, certainement, on manque pas ça. Puis, passe un bon week-end? Un très bon week-end. Vendredi, c'est un petit peu froid, mais c'est pas grave, on est venu pareil. On a un beau spectacle. Super! Ben, c'est bien. Merci. Passe un bon week-end à Valco. Un très bon week-end. C'est pas votre premier week-end, hein? Non. Vous avez aimé le spectacle? Oui, très bon. Vous êtes de quelle région? Bon Secours. De Bon Secours. Oui. Super! T'es venu en motoneige? Mon chum, oui. Ah. Moi, je suis montée en camion avec les enfants. Ah. Journée familiale. Oui, mais la température est idéale. Oui, ils s'amusent dans les jeux, là. Ils ont bien du fun. Bon, c'est bien. Ça fait longtemps que tu travailles pour le Grand Prix, toi, hein? Ben oui, c'est la 33e cette année. Je pense que ça fait 34 ans. OK, c'est ça. Puis, à date, tout va bien? Ah, tout va bien. C'est le bonheur parfait, là, on va dire. On ne peut pas demander mieux qu'aujourd'hui. Température. L'avoir commandé, c'est ça qu'on aurait commandé. C'est ça que vous auriez commandé? Plein ça, oui. Puis, juste vite comme ça, il y a à peu près combien de bénévoles sur le site? Il y a au moins 200 bénévoles, et puis on a la technique policière qui nous donne un bon coup de main. Ils sont au moins 60. Fait que on est au-dessus de 250 bénévoles. Bon, ben c'est bien. Donc, je sais pas, puis je pense que tu me promènes, là, puis je parle aux gens, puis le monde sont tous contents, sont tous heureux. Vous faites un travail fantastique. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.